vous dites bonjour. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Bonjour, moi c'est Jean-Stéphane. Salut Stéphane. Je vais faire un petit making-off sur vous, ok? Super, ça marche. Je vous accompagne jusqu'au concert et on va vous filmer ce soir. Très bien. On dit ta part, bouge. Ça fait plaisir de jouer à Paris. Eh oui, ça faisait longtemps. On a eu deux concerts annulés quand même en 2020, donc c'est un peu le retour. Super. Donc ça fait plaisir. Et là, tu joues deux jours de suite. Oui. C'est déjà aujourd'hui et demain, mais je sais que ça va bien se passer. Oh, super. Voilà, on est arrivé, c'est la salle, on est déjà là, aux Folies Bergères. Ça sera mon premier concert à Paris après plusieurs années maintenant. Donc voilà, on est content, on est déjà prêt, ça sera super. Ok, alors on va voir cette. Par là. Voilà, on est arrivé, on est déjà dans la salle. Voilà, je vais faire une petite répète, c'est pas vraiment répète. On va commencer tout à l'heure, ça sera mon premier concert à Paris depuis plusieurs années maintenant, je dirais 3 ans à peu près. Donc on est content et ça sera super, ça c'est sûr. À bientôt. Yeah.
c'est les derniers préparatifs. Oui. Yeah. Tu te sens comment? Je me sens bien. Je me sens en paix. Et, je dirais que on est prêt. On est prêt de vivre un peu plus. On espère que ça sera différent parce que mais à chaque spectacle, il y a toujours une touche de plus. Il y a toujours un peu la différence qui se fait. Voilà. Vous êtes là, vous tenez votre pied de micro jusqu'à ce qu'il soit monté et après vous pouvez lâcher. Bah, vous pouvez vous installer en fait, personne ne dira. Bon, allons-y. C'était super, on a assuré, c'était top. Donc voilà. De l'éternel, ouais, voilà. Ils sont prêts à louer tout que coûte, donc franchement c'était un plaisir pour moi d'être là. Bisous guys, soyez abondamment bénis et on s'attrape très bientôt. Blessings. L'artiste est prêt, Andy.
spectacle. Vraiment, on a bravé toutes les conditions pour être là. Vous ne pouvez pas rater ce spectacle ici à Paris. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Ce fut un moment extraordinaire. Merci Dena pour ce beau moment de partage. J'ai été bénie pendant ce concert. Merci, merci, merci. Je t'ai découverte. Reste comme ça. Keep on going. We love you. We love Jesus. Le concert était génial. Génial. Dena, continue comme ça. Merci. Que la gloire de Dieu soit toujours avec toi. Merci. Ces 2 heures de pure folie, de communion avec Dieu, c'était magnifique. C'était un moment de prière intense. Après 3 ans d'attente, j'étais là en novembre 2019. Et là, maintenant, je suis encore là. C'était vraiment incroyable. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce genre d'atmosphère que vous laissez. Que Dieu vous remplisse encore. Bah moi, je suis très contente du concert. Hein, depuis longtemps que j'attendais ce concert. Donc voilà, on a loué le Seigneur, on a adoré. Et avec ma fille, donc on a bien profité. Et puis, au plaisir de revenir plus tard. Alors voilà, pour la petite histoire, j'ai une relation assez particulière avec mon public. Et c'est vrai que hier, moi aussi, j'étais très très émue. Je ne sais pas si ça avait à voir avec le fait qu'ils étaient proches de moi. On était si proches, ça veut dire qu'on pouvait vraiment communiquer. Et ben, je me suis surprise en train de parler même de ma vie personnelle, un peu parler de mes enfants et tout. Et j'étais autant émue que vous l'étiez, que tu l'étais. Et surtout émue par la réaction qu'ils avaient et l'engouement qu'ils avaient. À un moment, je les entendais même plus fort que mes propres cœurs qui chantaient dans les bacs. Et donc, c'est une émotion différente un peu de ce que j'ai ressenti dans plusieurs autres endroits où je suis partie. Et c'était particulier, mais c'était surtout... ça touchait le cœur. Vraiment, ça m'est allé vraiment droit au cœur. Et mais tiens, j'étais plus qu'heureuse. Voilà. Moi, j'ai senti une énorme ferveur dans le public. Yes. Et parfois, comme je te disais, des gens presque en état second. Vous savez, la particularité de nos activités quand même. D'ailleurs, on n'aime pas les appeler des concerts parce que nous, on les appelle des cultes. Parce que je ne veux pas dire les émotions, mais c'est spirituel. Il y a vraiment des gens qui sont très, très connectés. Et dès qu'on est connecté, parce que le travail que je fais, c'est un travail spirituel. Et donc, il y a des gens qui sont très connectés, ben, qui reçoivent des choses pendant que nous sommes en train de chanter ou de faire le culte. Et c'est pour ça que vous avez eu l'impression que les gens étaient en transe, mais en réalité, c'est une expérience spirituelle. Et c'est la connexion que plusieurs ont avec le Seigneur. Et dès qu'on y met un peu plus de cœur, ben, on ressent ce que les gens qui recevaient étaient en train de ressentir. Et donc voilà, c'est pas la première fois pour moi de voir ça. Mais en tout cas, hier, c'était assez particulier parce que j'arrivais quand même à percevoir ce qui se passait dans la foule. D'habitude, la foule est un peu plus loin, donc je ne vois pas exactement ce qui se passe. Mais voilà, on a même eu à expérimenter des miracles des fois. Des personnes qui sont venues avec des béquilles, qui sont rentrées sans béquilles. Et c'est un peu ça qu'on vit. Mais c'est vrai que la salle est très petite, du coup c'est intime, t'es vraiment très très proche de ton public. Exactement, c'est ce que j'ai plus aimé en fait, c'est que le fait que je sois proche de ce public, qu'on converse, qu'on rigole comme si on était des amis en fait. Je me suis sentie comme leur ami et c'était ça qui a fait la particularité quand même de ce 1er juillet. C'est pas super. Comme on te filme à nouveau ce soir, je pense que vraiment je vais mettre une caméra sur le public. Yes. On a besoin de ça aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on se revoit tout de suite. Tout à l'heure.
Alors voilà, on a fini avec les deux soirées. C'était magnifique. Le Seigneur nous a visités, nous a fait peur. C'était un public de malade. Un beau public. Nous avons passé des bons moments ensemble. Ils ne m'ont pas laissé chanter mes chansons seules. On a chanté tous ensemble. On a prié. On a pleuré. On a rigolé. On a dansé. C'était juste magnifique. Et je bénis le Seigneur pour cela. À Jésus-Christ. Merci à toi. Merci beaucoup.